Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode sur une agriculture biologique. Et donc du coup aujourd'hui, j'ai fait un petit HE. Évidemment on en a besoin pour nos palettes. Et mon dieu que je redoutais ce moment. Mon dieu. Mon dieu que ça va être difficile. Tais-toi. Ça va être difficile de charger des palettes en vue intérieure avec ça. Déjà, pour le charger là-dessus, ça va, c'est qu'une fois. C'est bon. Ah, je craignais déjà. Hein. Ah, j'aurais bien voulu qu'il me laisse sur leur manque. Mais c'est pas grave. Bon, on a qu'à dire qu'on ensemble, évidemment. Évidemment. Et donc, du coup, on va aller jeter ça à l'usine là-bas. Les deux, de préférence. Enfin, pour les deux usines. Parce que il ne rebougera pas de là-bas, en toute logistitude. Il y restera. Et si j'ai besoin de décharger, je prendrai évidemment le TIAF. Et puis voilà. Donc on est parti mon kiki. Tranquillement. On va aller emmener tous ceux le bord. Et puis on va charger tranquillement les palettes de farine. Puisque j'en ai déjà pas mal. Alors il s'est pas passé beaucoup de temps dans le jeu depuis la dernière fois pourtant. Puisque j'ai stoppé. J'ai stoppé sur quoi la dernière fois? Sur quoi j'ai stoppé? Attendez, je voudrais bien qu'il se régule à 43, c'est pas mal comme ça. Sur quoi j'ai stoppé la dernière fois, je me rappelle plus de ce que j'ai foutu. Enfin, il s'est pas passé grand chose. Je sais que j'ai acheté le champ qui est au bord de l'exploitation, mais je ne sais plus si c'était en vidéo ou pas. Et donc, du coup, en fait, vu que j'ai très peu d'heures de jeu, puisque voilà, je ne fais pas tout, mais j'ai pas mal d'occupations IRL, du coup, j'ai pas fait grand chose sur le jeu quoi. Donc, j'ai juste relabouré pour préparer pour le semis de blé-orge maïs, donc pour le semis d'orge. Et donc j'ai mis un passage de fumier aussi après le labour. J'aurais peut-être dû le mettre avant. J'y ai pensé en fait, mais trop tard. Je me suis dit merde, quel con, eh ben tant pis, il ira après, c'est pas grave. Étant donné qu'on sait m'en combiner, c'est pas trop gênant. Donc voilà, et puis c'est tout ce que j'ai foutu. J'ai loué une mélangeuse au cas où qu'on ait le temps de faire ça aujourd'hui. Et puis ce sera déjà pas mal. Alors j'ai maqué avec moi sur le Discord, il est pas au courant qu'on est en vidéo. Donc si toutefois il intervient, c'est normal. C'est normal. Bref, du coup, cette semaine, messieurs, dames, donc en termes de vidéo, je ne sais pas trop ce qui va sortir à quel moment, mais j'ai un ordre d'idées. Et pour ce qui est des lives, donc je rappelle que cette semaine, on fait un live. Ce soir, on fait un live jeudi, vendredi et samedi. Du coup, ce soir du snow avec Maquet. Hein. Et puis les autres jours, donc jeudi, on fera du Sons of the Forest, donc du coup du The Forest 2, s'il sort. Alors normalement, c'est prévu pour jeudi, donc il ne va pas y avoir trop de soucis, mais bon, on ne sait jamais. Il n'y a toujours pas de précommande ni quoi que ce soit, donc du coup, on achètera au dernier moment, quoi. Au tout dernier moment. Et donc du coup vendredi on fera du farming évidemment, et puis samedi on fera du construction. Je ne sais plus si je serai en solo ou avec monsieur Kayak. Je crois que Chris il rentre dimanche, donc ce qui veut dire que je serai tout seul. Eh ben on fera tout seul, c'est pas un problème. Ou alors si je suis tout seul, je ferai peut-être du Hogwarts. J'aime bien faire du construction avec Chris. Donc ça m'embête un peu de faire tout seul. On fera peut-être du Hogwarts Legacy samedi. On verra. Ah, faut que je redemande quand c'est qui rentre, je ne sais plus. C'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est pas très pratique de charger ça en vue intérieure, je vous le dis. Quel bordel. Écoutez, je verrai. Partons du principe que si je suis tout seul, on fera de la magie vendredi. Et si Chris est là, on fera du construction. On va partir comme ça, je pense. Et puis voilà. Oh, c'est peut-être pas si mal de faire en vue intérieure. En tout cas pour décharger. Pour charger, c'est peut-être un peu plus problématique. Mais pour décharger, ça va pas plus mal comme ça. Ok, donc ça c'est pour les livres. Évidemment, sous peine de changement de dernière minute. Si toutefois Sons of the Forest, donc The Forest 2, a du retard ou... Alors, on ne sait jamais, hein, vous savez, avec les sorties de jeu, c'est assez régulier qu'il y a des problèmes. Donc du coup voilà, mais on part du principe que c'est comme ça, donc on fera ça en toute logique avec Rouston, Papy, dessus et Maquet. Alors attendez, on va poser la question directement. Monsieur Maquet, je vous dérange, je suis en vidéo. Est-ce que tu prends The Forest 2? Ouais. Ok, alors il y aura Maquet par-dessus. Voilà. Merci beaucoup Maquet. Allez, de rien. Donc voilà, donc on devrait être tusseux. Et puis la semaine d'après, on aura peut-être Chris. De toute façon, on n'attaque rien d'important pour la découverte, je suppose. Vous savez comment que ça se passe, hein, en règle générale, les découvertes de jeu. Le temps de se faire au truc de base du jeu, faire une petite constru, commencer à se faire taper dessus par des bonhommes. Enfin voilà, vous voyez, des conneries comme ça. On en a bien pour au moins facile 2 heures, donc on fera rien d'important. Alors si Chris toutefois se décide à le prendre, on n'aura rien fait d'important dans le truc, donc ça devrait être bon pour lui. Mais après, c'est lui qui voit s'il veut venir jouer avec nous ou pas dessus. Voilà, évidemment. Ça c'est pour ce qui est de The Forest 2 du coup. Ensuite sur Farming, eh ben, y a de fortes probabilités qu'on aille sur la Coro. Je ne sais même pas ce qu'il y aura à faire. Alors, normalement, on va sur la Coro. Je dis normalement parce que si Papy, et ce qui serait normal, n'a pas trop l'envie de jouer cette semaine, que ce soit à Farming ou à d'autres jeux, mais enfin après, il fait comme il veut évidemment. Mais s'il n'a pas trop envie d'y jouer cette semaine, parce que je sais que, et vous savez qu'il est allé à l'hôpital la semaine dernière, et donc du coup, je ne vous le dirai pas, mais moi je sais ce qu'il y a eu. S'il n'a pas envie de jouer, bon, voilà, il fait comme il veut. Et puis de toute façon, on peut venir sur celle-ci, nous, c'est pas un problème. Donc de sur vendredi, il y aura du farming. Après, sur quelle map, je ne sais pas. Mais de toute façon, il y a de quoi faire, ça c'est pas trop le problème. Pour ce qui est de construction, si je fais du construction, eh bien on est toujours dans notre château. Aux abords du château. Pour le moment, yeah baby. Pour le moment, j'ai pas fait de vidéo encore. Faut que je regarde si j'ai un trou pour mettre une vidéo de construction, puisque là on a du farming. J'ai 2 vidéos de No One Survive qui sont prêtes, et j'ai potentiellement 1 à 2 vidéos de World Legacy. Donc du coup, ça fait 4 et 1, 5, ce qui nous amène à vendredi. Donc je ferai peut-être une vidéo de construction cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, on sera toujours au château, puisque déjà à 2, c'est déjà long de faire l'émission du château. Mais alors tout seul, doutez-vous bien que il y en a pour un long moment. Et puis pour finir, bah, Snow, où on est toujours sur le biome Highway All-in. On arrive sur les derniers trucs, mais bon, c'est quand même des grosses missions encore. Je pense pas qu'on finira non plus ce soir. Il y a encore, oula, tiens, il y a encore largement le temps et de quoi faire, évidemment. Donc on a également de quoi s'occuper dessus. Mais on poursuivra tranquillement sur ce biome-là. Et derrière, on verra si on nous annonce une date précise de quand le DLC sortira. À ce moment-là, je prendrai la décision de est-ce qu'on rattaque une map ou un biome modé, ou est-ce que on pose le jeu pour j'en sais rien, moi, peut-être une vidéo, un live ou 2 vidéos de live, peu importe. On verra à ce moment-là si ça vaut le coup de rattaquer ou pas, parce que moi j'arrêterai pas le jeu, hein, de toute façon, évidemment. Ça, vous devez bien vous en douter, c'est un jeu qui fait partie de la chaîne maintenant. On arrive presque à 300 épisodes, donc quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que attaquer un nouveau biome ou une nouvelle map pour faire peut-être un live ou une vidéo dessus, je pense pas que ça vaille le coup, d'autant plus qu'on a de quoi faire actuellement, hein. Donc voilà. Ah, il y a autre chose que je voulais vous parler aussi, donc ça c'était samedi. J'ai lu le commentaire dimanche. Ah, je vais peut-être même vous le montrer, tiens. Parce qu'il doit être encore enregistré, le con. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, certes, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient plus forts à certains jeux qu'à d'autres. Hein, c'est pas un problème. Mais en règle générale, tu laisses les gens découvrir les jeux. Et si j'arrive à le trouver... Donc voilà, je vais vous le dire. Donc, monsieur Nicolas Delbar nous dit... Vous êtes décevant, déneuneux, je zappe, trop chelou, bon à rien, vous comprenez rien, ne réfléchissez pas, même pas, ne fouillez, même pas, ok d'accord, donc en plus il écrit pas français, évidemment, j'avais pas lu ça, tiens, tout, surtout les voitures, bref, en gros on est des bons à rien sur No One Survive, et t'as pas le droit d'apprendre à connaître le jeu, qu'il faudrait déjà que tu sois... Il faudrait déjà que tu sois un pro du jeu, évidemment. Alors, j'aurais pu aller chercher plus loin, genre, ce monsieur nous met son prénom et probablement son nom. C'est facile à retrouver, hein. Tu sais, tu vas sur Facebook, Twitter ou autre. Et je pense que la personne est très facile à retrouver. Mais je vais pas faire le gamin comme lui, hein, faut pas déconner. Mais en gros, t'as pas le droit d'apprendre à jouer à un jeu. Faudrait déjà que, tu vois, quand tu fais des vidéos ou des lives, il faut que tu sois tout de suite un pro. Parce que si t'es pas un pro sur chaque jeu, ben voilà ce qui arrive. Donc en gros, tu te fais insulter tes grands morts. Parce que t'as pas le droit d'apprendre un jeu. Donc évidemment, doutez-vous bien que la personne a fait on va pas dire un aller-retour, mais la personne n'est pas restée très longtemps sur la chaîne, si je puis dire. Elle est déjà bannie par mes soins. Ah, je suis tombé là-dessus, c'était quand? C'était dimanche matin. Bah, hier matin, ouais. Je suis tombé là-dessus hier matin et j'étais heureux, quoi. Je me suis dit, ah d'accord, ok. Écoute, si on le gêne, hein, on va voir ailleurs, hein, Cassos, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc en gros, voilà. Faudrait déjà qu'on soit des pros au jeu et tout. Évidemment, pour faire un point dessus, j'ai failli me taper le poteau. Pour faire un point dessus, on s'est tombé sur la vidéo où on commence la construire, où on n'a plus de place dans les brouillottes. À ce moment-là, on n'a plus de place dans les brouettes. Et évidemment, tu ne peux pas tout ramasser. Yes, magnifique. On va se taper un bug quand on va la recharger. Yeah baby. Et évidemment, j'ai pas voulu sangler, hein. Parce que j'ai voulu faire ça proprement, même on se bille. Et évidemment, tu ne peux pas tout ramasser quand les brouettes sont pleines. Bon, ça, je vous apprends rien, hein, c'est sûr. Bon, je vais sangler cette fois. Et donc, du coup, parce que je vais quand même m'expliquer là-dessus, parce qu'autrement, encore, même si je pense pas avoir besoin de m'expliquer sur tout ça, parce que je suis assez grand pour savoir ce que j'ai envie de faire. Mais pour revenir là-dessus, en fait, on a nos brouettes qui étaient pleines, donc quand les brouettes sont pleines, bah tu ne peux pas transporter plus évidemment, hein, ou alors faut faire des boîtes de stockage éparpillées un peu partout, mais libre à toi quand même de revenir plus tard, donc on fait comme on veut. Et puis je crois que c'est quand je commençais la construction, et la construction sur le jeu, on va voler, hein, je vous le dis, yeah baby, et la construction sur le jeu, elle est difficile, elle est même très difficile. Parce qu'en fait, t'as... Et c'est bien quand même d'un côté, parce que ils t'ont mis plein de possibilités pour que tu puisses construire un peu comme tu as envie. Le truc, c'est comme tu as plein de possibilités, il se trouve que tu peux décaler les constructions seulement d'un mini-cran, on va dire. Ce qui fait que bah, ton toit, il n'est pas... comme le plafond, moi je suis emmerdé avec le plafond, sur le jeu en général. En fait, le plafond... tu peux le décaler d'un mini-cran, ce qui fait que d'un côté, en fait, le plafond dépasse sur les murs, et de l'autre côté, ben, y a un trou. Et il est vrai que quand tu es habitué à la construire sur le jeu, ben, tu as moyen d'anticiper, mais quand tu n'es pas habitué, ben, tu fais des trous. Et donc, du coup, quand tu fais des erreurs, ben, tu les corriges. Et donc, du coup, ben, tu as tendance à recommencer la construire, donc ce qui peut paraître un peu pénible pour les personnes qui connaissent déjà le jeu à 100%, alors que le jeu est sorti il y a peut-être un mois, je sais pas, mais nous on a pas beaucoup d'heures sur le jeu, mais c'est tous des trucs qu'on découvre, tu vois, on n'est pas habitué au jeu, et donc du coup quand tu découvres, bah, tu ne sais pas tout, évidemment, et ça il y a des gens qui ont du mal de se le mettre dans le crâne, c'est comme si... alors c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, parce que ça fait belle durée que j'y ai pas touché, mais au moment où j'étais à plein Pontet-sur-Arc, c'est comme si ce mec-là vient me faire des leçons de morale sur No One, et moi je l'embarque sur Arc, et tout ce qui est construit sur Arc, je le déglingue, tu vois. J'aurais pu l'insulter d'handicapé parce qu'il sait pas construire sur Arc. Alors que moi je savais à peu près quasiment tout faire sur Arc en construction, puisque je faisais que ça. Donc c'est ce qui me plaisait le plus. Disons qu'à chaque fois qu'on faisait des construits où on faisait pas de PVP, à chaque fois que j'avais fini ma construction, mais j'avais plus rien à foutre sur le serveur en fait. Mais bon, voilà, toi, genre, comprends que t'es pas seul au monde et que les gens ont le droit d'apprendre le jeu en fait. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mais bon, écoutez, on n'a pas tous la même maturité. Il y en a qui ont la maturité d'un petit poids. Et ben boum, c'est comme ça. Bref, donc ça c'était pour No One. Et en ce qui concerne le reste, donc du coup, bah, Hogwarts Legacy, on va poursuivre gentiment. On a presque rattrapé mon perso principal, puisque, bah, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu. Et donc, l'aventure est toujours aussi kiffante. Bon, il y a quelques bugs, évidemment. Quelques bugs que je tiens, pas pour défendre le jeu, hein, mais parce que, bon, j'en ai rien à foutre de défendre le jeu ou pas. Après, chacun aime ou n'aime pas, hein. Chacun ses avis, ses goûts et ses couleurs, comme je dis souvent, mais les bugs qu'on a ensemble en vidéo ou en live, je ne les ai pas hors ligne. C'est quand même très très grave ça, hein. Genre, la voix robotique, j'ai pas le problème hors ligne sur ma partie. Les persos sans visage, j'ai pas le problème sur ma partie. Le coup du plongeon dans le lac, j'ai pas vu de problème sur ma partie. Enfin, tous les trucs comme ça, je sais pas. Écoute, c'est les choses qui arrivent, hein, c'est pas... Disons que des jeux, il y a des bugs dessus, c'est un peu tous les jeux maintenant. C'est pas réellement ça qui m'inquiète. Ça change pas grand chose à la physionomie du truc. Mais en tout cas, très kiffant ce jeu. J'aime ça, j'adore le balai quand même. Je pense que ça va être assez drôle. Bon, il y en a encore beaucoup parce que vous êtes gentils, mais... Vous débrouillerez pour décharger. Moi, je me pose et puis le trigger fera le reste. Hein. Évidemment, je pense que IRL, tu fais des livraisons. Il y a moyen que la boîte où tu livres, ils aient leur propre phénoïque. Donc, on va faire style qu'ils ont leur propre phénoïque. Je vais quand même pas charger et décharger, faut pas déconner. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pensé aussi, il y a une exploite pas loin de chez moi qui récupère les cartons. Enfin, ils bossent avec une entreprise. Donc, ils ont besoin de stocker, en fait. Et eux récupèrent les cartons qui calent dans leur silo d'ensilage. Alors, j'ai trouvé ça un peu spécial du fait que ça aurait peut-être été plus sympathique d'avoir un silo d'ensilage qui est couvert, tu vois. Enfin, au moins un silo couvert, histoire que les cartons finissent pas en pâte de merde, tu sais, quand il pleut, ça fait tout de la bouillasse, de la merde. Mais bon, c'est bref, ça ne me regarde pas personnellement. Et donc du coup, ils font du stockage, et ensuite, eux, ils rechargent pour relivrer derrière. Et c'est vrai que bon, on n'a pas ça sur Farming, mais c'est une idée. Après, c'est juste du stockage de carton vide, hein, en fait. Mais le problème, c'est que... Et je comprends pas que la boîte ne dise rien, c'est qu'ils stockent ça dans un silo ouvert, s'il pleut, ça fait un patarou, c'est incroyable. Mais bon, bref, voilà. Et pour ce qui est d'autres jeux à venir, j'ai pas regardé dans la liste où ça en est. Je sais qu'il y a le jeu comme un raft dans l'espace qui devrait venir, mais je ne sais plus c'est quand. Et puis pour la suite, ben on verra, hein. De toute façon, là on a de quoi faire, on est parti pour un certain temps puisque Hogwarts Legacy, il y en a pour un bon moment, je vous le dis. Surtout qu'on avance tranquillement, hein, on avance pas très vite. Moi, ça me va totalement. Alors, hop. Mais il y en a pour un long moment, et de toute façon, le prochain gros pâté qui sortira après Sons of the Forest. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça, là. Qu'est-ce que c'est que ces crèmes glacées, les pizzas? Ah oui, mais c'est les modes de... que j'ai avec papy, ça. 1402 Intermediary, c'est où? Est-ce que je m'occupe? Oh non, je veux pas m'occuper des prix. C'est où? J'ai pas vu. Ok, c'est tout là-bas. Donc faudra pas que j'oublie de tourner à gauche. Ah non, c'est tout droit. Ok, moi je sais où c'est. Enfin, je sais où c'est. Je vois à peu près où c'est. Le gros pâté qui sortira... Yeah baby. Qui sortira plus tard. Ce sera au mois de juin, évidemment. Et ce sera Assassin's Creed. S'il sort. Parce que je rappelle qu'Ubisoft va couler. Enfin, est parti pour couler. Et nous, on part du principe que tout le bloc sera racheté. C'est-à-dire, pas seulement certaines parts, mais tout, quoi. Tout ce que Ubi a fait. Après, est-ce qu'ils ont déjà mis la clé sous la porte, je sais pas. Mais sinon, moi personnellement, je pars du principe où même si Ubi ça coule, ça va être racheté. J'espère que ça va pas être racheté pour faire de la merde, genre certains studios dont je tairai le nom. Mais bref, partons du principe que prochain gros pâté c'est Assassin's Creed. Et donc du coup, ben, on verra à ce moment-là. Après, il y a d'autres trucs d'ici là. On aura Hotel Renovator, évidemment, parce que je vais pas l'oublier, autrement je vais m'insulter. On aura le DLC de House Flipper, le DLC Farm, si je dis pas de conneries, où on pourra rallonger les maisons. Et là, on pourra reprendre. Mais déjà, on fera le mode histoire du DLC, en quelque sorte. Et derrière, on pourra reprendre les maisons qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, et là on pourra faire des extensions de maison, ce qui est plutôt cool. Et donc du coup après on a le jeu, voilà, de Rave dans l'espace, mais ça je ne sais pas c'est quand. Et puis il y aura certainement d'autres choses en cours de route ou à venir plus tard. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Donc voilà un peu le programme pour le futur. Putain, mais on va caler. On va caler. Mais là, actuellement, on a quand même déjà pas mal de bordel. Hein, entre farming, la prochaine phase de snow, et même après la prochaine phase, on repartira sur des modes. Construction, on a bête au final map européenne, on va faire la map américaine. Sans compter ce qu'ils vont nous pondre plus tard également, parce que c'est toujours prévu qu'il y ait des modes. Du coup on est au Hogwarts Legacy qui en a pour un moment. Derrière, bah, The Forest 2, comme il va sortir, on va prendre largement notre temps dessus. Donc il y en a pour Belle Lurette aussi. No One Survive, il y en a pour un très long moment également. Donc il y a de quoi faire, je suis pas inquiet. Et puis même s'il y a un trou à un moment donné, y a toujours des jeux que j'ai prévu de faire qui datent pas d'aujourd'hui, mais qui peuvent se faire. Donc on va pas s'ennuyer cette année, vous pouvez me faire confiance là dessus il y aura du bordel à faire. Et puis comme j'ai dit, sans compter, j'ai peur de culbuter, sans compter ce qui n'est pas prévu encore également. J'ai chié dans mon foc, hein. Je vous avoue que j'ai arrêté de... j'ai lâché le clavier. Putain, mais c'est lourd, hein. C'est lourd. Et donc du coup voilà un petit peu pour la suite. Tranquillement. Ah, c'est vrai qu'il y aura le DLC de farming aussi. Le prochain, et puis les autres qui suivront aussi. Alors le prochain, je pense que je le présenterai. Il y a 2-3 outils dedans qui m'intéressent. Après, j'ai pas trop étudié le truc pour vous dire par rapport à ça. Si c'est 2 fois trop cher, ou si le prix est équilibré ou autre. Juste à première vue, ce que j'ai vu, c'est que ça fait encore plus d'€1 le mode, et ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça après, on commence à y être habitué. Alors du coup, on va vendre ça, et après, fuck. Hein? Oui, tu peux éteindre. Évidemment. Oh, bah elle est en mitouflée, quoi. Bon, du coup, on va faire comme s'ils avaient un Fenwick, hein. On va pas chercher. 33 000, yeah baby. Ça rembourse encore pas l'usine ni l'achat du Fenwick, mais ça commence. Et puis après, on a encore le fromage. Le fromage, j'ai pas regardé s'il y avait du rab. mais on verra plus tard. Ok, et eh bien écoutez, messieurs, dames, on se topera pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir pour du snow avec Monsieur Maquet. Et puis voilà. Moi, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes dans la soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.